Salut les petits loups, je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes prêts pour un nouveau module de Djembé? Alors c'est parti, générique. Prenez maintenant une feuille et un crayon et notez cet exercice. On démarre par un coup fort au milieu donc du djembé, au centre du djembé ou de la darbouka. Ensuite, on a trois petites croix, donc c'est tout simplement trois petits coups que l'on jouera au bord du djembé. Je crois qu'on n'avait jamais encore rencontré ce cas de figure, c'est-à-dire une grande croix au bord du djembé. Donc c'est un coup fort au bord du djembé. Ensuite, 5. Petite croix, donc 5 petits coups au bord du djembé. Ensuite, on aura un grand coup fort au centre du djembé ou de la darbouka. Ensuite, on aura un petit coup faible au bord du djembé. Ensuite, on aura un grand coup fort au bord du djembé. Et pour terminer, 3 petits coups faibles au bord du djembé. Attention, c'est parti. Et n'oubliez pas, on ne joue jamais deux fois de suite avec la même main. On démarre avec une grande croix au centre de la darbouka. C'est un coup fort. Ensuite, on change de main et au bord du djembé, une petite croix, une deuxième, une troisième. Un grand coup au bord du djembé. 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'un grand coup avec la main droite au centre de la darbouka, puis un petit coup au bord, suivi d'un grand coup au bord, suivi de 3 petits coups au bord. On repart. Un grand coup au centre. 1, 2, 3 petits coups au bord. Un grand coup au bord. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, un grand coup au centre. Petit coup au bord. Grand coup au bord. 1, 2, 3. Je repars. Grand coup au centre. 1, 2, 3 petits coups au bord. Un grand coup au bord. 1, 2, 3, 4, 5 au bord. Un grand coup au centre. Petit coup au bord. Un grand coup au bord, 1, 2, 3 petits coups. Je vais maintenant l'enchaîner plusieurs fois de suite, très lentement. C'est parti. Surtout, soyez patient et n'hésitez pas à faire un petit arrêt quand vous arrivez à la fin de l'exercice avant de repartir. Ce petit arrêt, je l'ai déjà dit, sert à replacer l'esprit pour mieux repartir. Maintenant, je vais jouer cet exercice beaucoup plus rapidement. Mais surtout, dans un premier temps, allez très doucement. N'essayez pas d'aller vite. Vous verrez, plus vous travaillerez doucement et plus vous irez très vite par la suite. Thank you.
Une fois que vous aurez assimilé ce petit exercice de djembé, normalement, vous devrez être capable d'accompagner bon nombre de chansons du répertoire français et pourquoi pas international. En guise d'exemple, je vous invite à vous rendre sur ma page YouTube, d'aller sur la playlist qui porte le nom « Ma fille » et dans cette playlist, vous choisissez la chanson qui porte le nom « Luna, 7 ans, tape sur si je pars » et vous verrez, elle utilise ce module de djembé quasiment tout au long de la chanson. Le reste, vous verrez, il y a des choses qui ne ressemblent pas au module de djembé, ce sont des breaks, des intros, et ça, on verra ça plus tard. Voilà. Je vous dis à très bientôt.